Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure galactique sur Star Wars Jedi Survivor, évidemment. On avait déverrouillé un raccourci, souvenez-vous. Et on devait continuer en prenant cet oiseau qui nous attend bien sagement. On avait battu une sorte de demi-boss, comme d'habitude. N'oubliez pas de jamais le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous en serai très reconnaissant. Et on est parti pour cette suite totalement folle, 4K 60 FPS, fortement recommandé, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bon bonus là, j'espère. Tireur d'élite, nouvel avantage obtenu. Ça doit pas être un avantage fou. Il est pas très bien planqué, on est un peu presque obligé de l'avoir finalement. Donc ça me paraît très bizarre. Alors, il faut... Oh là là, où est mon objectif? Qu'est-ce que c'est? Le vaisseau? Ben oui. Alors comment on peut faire? À droite. Il y a quelque chose là-haut. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Attendez. On va passer là. Mais je vais reprendre les Mike Jazzer pour aller là-haut parce que le doute m'habite. Et ça m'habite fort même, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai pas envie de louper ça. Ça serait extrêmement... Ah non, on peut pas. Allez, on oublie, c'est pas grave. On rentre à la maison. À droite, la petite grotte, on l'a faite. Mais non. C'est bon. On rentre à la maison, tant pis les amis. Direction le Mantis. Et je pense même qu'on va même changer de planète, à mon humble avis. À savoir qu'on a un tout nouveau pouvoir qui nous permet de faire des choses totalement folles, évidemment. Hop, let's fucking go. Direction, donc, le Mantis. Oh, je suis chaud. Allez, viens par ici, toi, tu connais Kobo comme ta poche, hein? Allez. Phil, je veux plus te voir. Allez, on y va. Let's go. On passe là, mais il n'y a pas besoin de save. Je me souviens plus trop du chemin, là, pour être très honnête avec vous. Ah, si, je crois qu'on va pop totalement dehors, non? Je crois qu'on va pop totalement dehors. Est-ce que, par contre, là, il existe... Laissez-moi réfléchir. Est-ce qu'il existe un monde où mon nouveau pouvoir est utile? On a une porte blindée là-haut. Ok. Je vois pas en quoi la matière peut être utile, étant donné qu'il n'y a pas de faisceau de lumière. On a un truc sur batterie là, mais je vois pas en quoi ça peut être utile. Pour l'instant, je pense vraiment qu'on puisse pas faire grand-chose. Ok. Le Mantis, c'était par où? C'était par là-bas, donc. Ok, on voit d'ici. Bon, bah écoutez, direction le Mantis. Je pense qu'on va découvrir une toute nouvelle planète, donc pourquoi pas. Ça fait bien longtemps en même temps. Oh. Allez. Attends. Wesh, je peux tirer à dos, trop bien. Ok, ça c'est bien. Allez, emmène-moi là-haut, bibiche. Hop. Merci, au revoir. On va passer par là. Non, je peux prendre raccourci. Bien sûr qu'on peut prendre le raccourci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe par ici? Est-ce que c'est la holotable qui va nous en dire long ou pas? Ah, oui. Et on est censé aller... on est censé retourner sur Jeddah. Cap sur Jeddah. Je ne sais pas pourquoi encore. Ok. Là, je vous avoue que le doute... Tu crois que Cordova comprendra la technologie que Cal a trouvée? Tu rigoles? On n'en fait plus des cerveaux comme le sien. J'ai vraiment hâte d'en voir serré. J'ai une dette envers elle. C'est elle qui a avancé les fonds pour le Pailoun. Combien tu lui dois, Gris? À peu près 2000 crédits. Peut-être que si je lui fais mon célèbre ragoût de grand-mère Pailoun, elle effacera ma dette. Pour 2000 crédits, il y a intérêt à ce que ce gratin soit incroyable. Eh ben écoutez, ça bug exactement au même fucking endroit. Allez, on est donc reparti directement dans le vaisseau. Ça a bugué exactement au même endroit que la dernière fois. Ils ont toujours pas patché le problème. Peut-être qu'ils savent même pas d'où ça vient d'ailleurs. Mais bon, c'est pas bien grave. L'important, c'est que normalement, on devrait arriver à Jeddah, là, non? Non, faut que je le reprogramme. Attendez. Au pire, on va revoir la conversation, donc ça m'arrange à la limite. Où est-ce qu'on peut aller? Eh ben, on est reparti, je dois le reprogrammer. En route pour Jeddah. Let's go. Allez! Tu crois que Cordova comprendra la technologie que Cal a trouvée? Tu rigoles! On n'en fait plus des cerveaux comme le sien! J'ai vraiment hâte de revoir serré. J'ai une dette envers elle.
C'est elle qui a avancé les fonds pour le Pailoun. Combien tu lui dois, Grise ? À peu près 2000 crédits. Peut-être que si je lui fais mon célèbre ragoût de grand-mère Pailoun, elle effacera ma dot. Pour 2000 crédits, il y a intérêt à ce que ce gratin soit incroyable. Attache ta ceinture, Cal. On va atterrir. Allez, let's go. C'est bon, les amis. On va essayer de déchiffrer tout ce qu'on a réussi à avoir durant les quêtes précédentes et surtout l'enquête au sujet du site, évidemment. Ok. Bon, si je me souviens bien, c'était à droite, même on avait galéré à ouvrir la porte. Il fallait user de petits stratagèmes de type exceptionnel. Hop. Let's go. Bon, dites-moi les bibiches, qu'est-ce qui se passe? D'accord, mais comment être sûr que c'est sans danger? Impossible de le savoir. Les ressources du réseau sont déjà sollicitées au maximum, et certains chefs locaux refusent de prendre ce risque. Comment les convaincre? Beaucoup craignent qu'en acceptant des réfugiés, ils se mettent une cible sur le dos. Ah, Cal, te revoilà. Tu as trouvé quelque chose? Je crois. Parfait. Cordova sera heureux de l'apprendre. Ok... Donc faut aller parler à Maître Cordova... Un étrange appareil. Celui-ci a l'air d'être une copie. Les deux ont été endommagés par un sabre laser. Pas le mien. Cette fois. Oublions ça. C'est réparable? Je l'ignore, mais je ferai de mon mieux. Maître Junda, l'Empire s'approche du sanctuaire du pèlerin. Des forces d'intervention? Non, une équipe de fouilles. Tant mieux, c'est qu'ils ne savent pas pour le refuge. Pas encore. Le refuge? Caché dans les ruines. Avons-nous commencé l'évacuation? Elle est déjà en cours. Mais frère Armias ne répond pas. Armias a les codes de communication. S'il le capture, ça pourrait mettre en danger tout le passage. Je connais les ruines. J'irai. Je t'accompagne. Baud? À mon avis, je devrais rester ici et me rendre utile. J'aurais bien besoin d'un assistant. Ramenez Armias. Compris. Et sans jouer les héros. Avec lui? Je promets rien. Ça s'adressait à toi, je crois. Ok, on est parti. Mais on va avoir besoin d'un hop, attends, bouge pas, Bichette, on va save au cas où. Suis-moi. Allez. Je suis même pas niveau 2, c'est tellement triste. J'aurais pu me mettre quelques points de compétence. Malheureusement, c'est... C'était quoi cet endroit avant? Un ancien monastère à la Corette. Impressionnant, hein? Ouais. Le sanctuaire du pèlerin est un temple ancien. Serré et Maître Cordova l'ont choisi pour servir de refuge au passage. On savait que l'Empire viendrait un jour, mais pas aussitôt. Ah! Oh! C'est enfin ouvert! C'était pas ouvert à l'époque, souvenez-vous. Très bien, ça. Très très bien. Alors attends, Bichette, j'ai quelque chose à gauche. Un petit écho, je prends, si je peux être niveau 2. Enfin, si je peux gagner un point de compétence, ça serait cool. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un qu'elle estime autant. Puis-je vous escorter? Ça ne suffira pas. Je n'ai jamais rencontré de sorcière et j'ai tant de questions. Ok. Le pont du pèlerin est de l'autre côté du désert. Un petit écho à droite. On peut peut-être encore une fois gratter de quoi avoir deux points de compétence. Ça serait vraiment cool. Oui, je les veux. Moi, vous savez que je fonctionne toujours par deux. Par ici, Maître Junda. Nous y sommes presque. Alors, qu'en pensez-vous? C'est vieux, abandonné et au milieu toujours de nulle part. Encore c'est deux, parfait. Encore deux, là, tout ça, ça me paraît compliqué. Les plaines arides. Oh, il y a des chevaucheurs. Oh. Ok. Ok, 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 va falloir que je réfléchisse. Parfois, tout ce qu'il y a dans le désert commence à se ressembler. Concentre-toi sur ce qui est différent. Comme ça, tu ne te perdras pas. Voilà notre monture. Ah, mais y'a un putain de... Espérons que ce spamel ne nous abandonnera pas. Ne sois pas rancunier, Cal. Ça ne te ressemble pas.
Ok. Oh la vache, je dois aller loin. Oh oui, ça a l'air d'être très grand, hein. Il y avait pas un AT... C'est bien. ATST, un truc comme ça. Ok, c'est bon, on peut descendre n'importe quand. Voilà. Allez, ça normalement, ça régale, je crois. Beau combat. Tu me rappelles chez moi, putain, tu sais. Même pas, hein. T'avais faim? Maintenant, c'est toi qui nourriras les autres. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Qu'est-ce que c'est? Doucement. Alors attends, si on descend. Ok, large, on passe. Là, il y a un bail là-haut. Je crois pas avoir les compétences pour monter. Tant pis. Tant pis. Et là. Attends, Bichette, je reviens. Merde! Ça ne suffit pas. Et là? Ah, là. Ok, superbe. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas où je vais, mais ça a l'air exceptionnel. Très bien. Éviter de tomber. Voix de la persévérance. Ça me plaît. Je suis un persévéreur. Ça suffira pas. Mince alors. Zut de flûte. Des ennemis. Wow. Ok. Très bien. Point de compétence obtenu. Merci, au revoir. Scanne-moi ça. Scanne-moi ça aussi. Ok. Attention, je sens un danger. Oh! Oh, les doubles execs! C'est trop bien ça! Active-moi ça. Active-moi ça, ma petite biche. On a un bas ici, mais on a aussi un bas ici. Raccourci débloqué, ok. Là-haut, qu'est-ce qu'on a, les gars? Que dalle! Qu'est-ce que c'est? Sûrement un passage de simulate. Ok. Voilà, c'est toi qui regrette, hein. Je pense que Sir Tasque voudrait y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bon. Oh, oh, ok, j'ai compris. J'ai compris. Et là, normalement, on va pouvoir aller là-haut et amener cette boule très très haut à notre objectif. Essayons ça. Aucune putain d'idée de ce que ça peut ouvrir. Hein. La boule, elle est partie loin, sa mère. Ok. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Je crois que c'est bon. Très bien. Les détonateurs sont prêts à être utilisés. Combat rapproché. Reste concentré. Ça, c'est toujours très intéressant et très impressionnant. Ok, ok. Oh là là, par contre, le jeu est magnifique. Quel délire. Le jeu est magnifique. Pas devoir affronter un détail.
Ok. Let's go. Allez. Ouais, il me saoulait. Il racontait sa vie, ça dégage. Allez, waouh. Pour l'instant, c'est la régalade. La lune des pèlerins ne cesse de m'ébahir et de mourir. Les fidèles des adeptes de la force ont dû concevoir ces épreuves. Dans quel but, je me demande. J'ai aucune idée de ce que je viens de faire là. Je me demande ce que ça fait. Bien joué, Pell. J'ai pas compris moi ce que ça faisait. Ok, j'ai pas compris ce que ça faisait, j'ai l'air d'avoir un bonus. Je prends. We did it. Oh. On va se régaler. Prochain point de save. J'ai vraiment besoin d'un steam. Très bien. Comment tu trouves le désert, BD? Ça lui plaît ici. C'est mon petit bail caché là, non? Que dalle? Ok. J'ai voulu être. Alors là, mais je dois aller où moi? Je dois aller où avec ces conneries? Sean Connery? J'ai pas compris ce que ça faisait en fait. J'ai même pas compris ce que ça faisait. Hein. Un petit côté un peu teubé, je crois, non? Ouais. Ok. J'ai appelé un animal là. Wow, il m'a fait peur! On y va. Allez, on y va! Tout doux. Qu'est-ce que je dois faire? Qui suis-je? Où vais-je? Ok, on va passer par là-bas. Ah, il y a des trucs vraiment partout, hein. Ok, très bien. Ok, bon, on est bon. On est bon. On va essayer de monter au calme. Oh bien. Ça nous avance pas vraiment, mais enfin c'est stylé. Je sens un danger à proximité. Oh, salopard. Salopard. Je sais pas où je vais, les gars. Forcément 4 milliards de choses de planquer par ici. C'est évident. Ok. Bon, il y a forcément des trucs un peu planqués, mais je les vois pas. Arrête-les! Toi.
t'attendais à plus? Ouais, non. Qu'est-ce que t'as appris en parcourant la galaxie? Que parfois, il vaut mieux ne pas poser de questions. Et garder les yeux sur le chemin à suivre. Un pilote. Oh, il allait nu briser, mon ref. Ah ouais. J'ai pas gagné ton League PS1, hein. Pas ouf, hein. Pas très worth it, hein. Ok, on se casse, on va aller là-bas. Point de save, j'en profite pour me faire des petits avantages. Improbable. Attention, je sens un danger à proximité. Je suis touché. Bordel! C'est déjà fini? On peut respirer un peu ou c'est chaud là? Ok. Attendez là. Oh. Je pense pas que l'objectif est là-bas. Bon, enfin écoutez, on va fouiller. Ça avait l'air sympa et j'ai vu des choses briller. Moi, vous savez que quand ça brille, j'aime ça. Ok. Point de save? Oh, coffre. Je prends. Allez, let's go! Ça, c'est t'es pour déjà Bibi. Ici ouais. Une fois, j'ai sauvé un pèlerin d'un Stormtrooper pas loin d'ici. Allez, on va se mettre nos avantages, nos points de compétence. Et on a beaucoup de choses à se mettre, si je peux me permettre. On va se la mettre. Les lancers de sabre laser. Mais je peux pas lancer mon sabre laser, je comprends pas en fait. Les tirs de blaster de cale infligent plus de dégâts. La fenêtre de parade est réduite, mais Cal inflige plus de dégâts d'endurance. Ok, on va mettre ça. On est bon. Compétences. Bon, on va checker quand même. J'avoue qu'en survie, je me suis collé pas mal de trucs. Hein. Je me suis collé pas mal de trucs. Attaque chargée. Assaut. Frappe cyclone. Tu es une puissante frappe. Lancer chargé pour lancer plus puissant. L1 triangle. Pour un lancer plus puissant qui inflige des dégâts et se déplace sur une courte distance à travers la cible. Attends, donc je peux vraiment envoyer mon sabre ? Ah non, ça c'est la double lame, ok. Frappe déchaînée. Ok. Très bien. Garde croisée, c'est le truc énervé ça. Hein. Ça a l'air pas mal ça. Augmente la portée de la frappe. Incroyable. Et on va essayer ça. Normalement, ça va encore un peu plus loin. Très bien.
Et en termes de force, on a quoi? Ok, j'essaie de concentrer un peu. Confusion accrue. Le mieux, c'est ça, en fait. Hein. Augmente le niveau de force au max. Hein. En vrai, on va faire ça. Hein. J'ai un doute sur un truc. Regardez. On va save. Et si je ne m'abuse... Grise le dira pas, mais... Oh. Tu lui as manqué. Il m'a manqué aussi. Mais si tu lui répètes ça, je me vengerai. D'accord. D'accord. Je voulais bien le savoir un peu plus tôt. J'ai le seum de fou. Bon, bah on va garder la posture simple, tant pis. Bah ouais. Vu qu'on a save, c'est le problème ça. Ça c'est le problème de fou. Je pense qu'il nous aime bien. C'est mignon. Tu peux y arriver. Ok. Yeah. Ça a l'air facile de se perdre par ici. C'est pour ça que tu as la chance d'avoir un guide. Oh là. Très bien. Alors attendez. Ok, c'est bon, il est par là, la suite de la quête principale. C'est quoi, soldat? Restons sur le cas. Il y a des impériaux plus loin. Pas pour longtemps. Ok. Bien. Ne laissez pas s'enfuir. Tu vas céder. Vous savez pas que la carapace s'enlevait. Ok. Allez, let's go. Ok. Oh, c'est vraiment stylé par contre les doublés exec. Vas-y, scanne-moi cette merde là, c'est joué, ça vient de sortir ça. Ok. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Wow. Ça va aller. Ah. Allez, on allait simple pour l'enfer, frérot. Hein. Wow, bâtard. Oh, le bâtard. Attends, je crois que j'ai vu un truc. J'ai pas vu un coffre. Ou j'ai abusé. J'ai abusé. J'avais abusé. Ok, on est parti. Alors, comment t'es entré en contact avec le passage? Pendant mon voyage, j'ai rencontré une personne dans le besoin. Et je l'ai aidé à se cacher dans le pire. C'est ce qui m'a mené au passage. Ok. Parfois, je me demande si la destruction de l'Holocron a eu le moindre effet. Nous avons protégé les enfants de cette liste. Mais il y en a d'autres. Et l'Empire continue de les traquer. Exactement. On doit protéger un maximum de gens. Et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Vache. Ça a l'air assez complexe hein, tout ce qu'on est en train de vivre. Belle phase de... plateforme, pardon. Ok. Beau raccourci qui va être très vite déverrouillé aussi par la même occasion. Oh, très bien ça. Bon, les amis, on va s'arrêter à l'entrée du temple. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. A bientôt pour l'épisode 21. Bisous tout le monde. Bye bye.